diaspora pour parler de ses frères et sœurs qui sont partis de l'autre côté, certainement pour avoir une vie meilleure. Tous les jeudis en direct sur Info TV, dans le cadre donc d'Espace Miné, nous aurons donc jeudi diaspora, comme c'est déjà le cas avec mardi entrepreneuriat tous les jeudis, et cela débute donc ce jour avec une problématique toute simple pour planter le décor. Ce matin, nous poserons la question de savoir quelles sont les attentes des Camerounais de la diaspora, quelles sont les attentes des Camerounais vivant du côté de l'étranger. Avez-vous l'impression que ces Camerounais de l'étranger ont beaucoup de choses à dire? Avez-vous l'impression que ces Camerounais vivant du côté de l'étranger peuvent participer à leur manière à la construction de ce beau et grand pays que nous appelons tous le Cameroun. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons également un arrêt, comme cela se doit, pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec la très époustouflante Claudia, la dénonciation de ce jour. Très chers téléspectateurs, je vous invite à la suivre de manière méticuleuse. Je suis sûr que vous aurez des mouchoirs pour essuyer tout simplement vos larmes. Cela ne nous arrive pas tous les jours, mais de manière exceptionnelle ce matin, nous avons voulu que la personne véritablement qui est touchée puisse raconter elle-même cette dénonciation. C'est une maman qui vient de perdre sa fille de 19 ans, qui était à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication STIC, qui vient donc de perdre sa fille, disais-je, dans des conditions hautement troubles. Que s'est-il passé? Le récit de toute cette affaire macabre vous sera livré tout à l'heure par la mère de la défunte elle-même. Une dénonciation qui vous donnera tout simplement au froid au dos. On terminera, comme nous vous l'avons dit, par le thème ayant trait à la diaspora. Vous êtes en direct au canal 317, sur Canal Plus International. Vous avez fait le meilleur choix. À tout de suite pour la suite. Tous nos invités répondent déjà présents. Lazare Zambo, bonjour. Oui, bonjour parfait ici. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Je vais également dire un bonjour particulier, puisque nous allons parler de la diaspora aujourd'hui. Un bonjour particulier à tous les nombreux Camerounais, n'est-ce pas, qui sont établis hors du pays. Vous avez l'insigne honneur d'être là au moment où nous lançons cette émission. C'est une situation que parfois si la presse a souvent décrié, mais on ne va pas oublier ici le déracinement aussi, n'est-ce pas, de la plupart, n'est-ce pas, de nos compatriotes qui, une fois à l'étranger, se comportent comme s'ils ont complètement oublié comment fonctionne le Cameroun. On a souvent l'impression que ceux qui sont dans la diaspora, quand ils reviennent ici, c'est pour nous imposer les habitudes de la diaspora. De toutes les façons, nous aurons le temps d'en parler. Voilà, d'accord. Nous aurons le temps d'en parler. C'est tout cela qui constituera les jeudis diaspora sur Espace Miné. Lazare Zambo est journaliste. Il n'a fait que ça dans sa vie. En face de Lazare, un journaliste peut en cacher un autre. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina, que vous connaissez déjà dans le cadre justement de ses productions. Rodrigue, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à mes illustres copanélistes. Je voudrais dire bonjour à tous les millions de Camerounais, les millions de citoyens du monde, voilà connectés sur Info Télévision et qui ont adopté comme moi Espace Miné comme un grand hôpital. Espace Miné est un hôpital, bien entendu, d'abord pour nous-mêmes, qui sommes, on va dire, ces voix, ces figures publiques et ces personnes-là qui défendent un certain nombre de valeurs par cette profession qui est noble, le journalisme. Je voudrais dire, parfait ici, que notre posture est une posture compliquée. Est une posture compliquée. Pourquoi? Parce que nous sommes ces malades-là qui n'ont presque pas de docteur. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous-même, vous êtes souffrant, mais vous devez vous occuper des autres. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Parmi nous, il y a des personnes qui nourrissent des douleurs qui resteront éternellement muettes. Parce que parfait, ici, a une vie normale, comme tout autre citoyen.
Mais maintenant, sans vous le souhaiter, il peut arriver que vous ayez un proche qui est très souffrant. Vous êtes attaché à ce proche-là. Cela m'arrive d'ailleurs très régulièrement. Voilà, personne ne viendra vous consoler. Vous voyez un journaliste peut-être qui a eu des problèmes dans son foyer, sa femme s'en va. Le gars est habité par le chagrin, mais le téléspectateur ne veut pas le savoir. Ou alors l'auditeur. Vous devez pouvoir gérer ça. Tout à fait. C'est-à-dire vous souffrez de cette douleur, mais vous êtes appelé à servir les autres sans qu'ils ne ressentent que vous êtes habité par cette souffrance-là. Tout à fait. Donc nous sommes ceux-là qui portent des peines, qui sont des peines muettes, mais obligés de servir. C'est pourquoi ce serait pas exagéré si je dis aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous écoutent en radio, priez de temps en temps pour nous. Nous avons besoin de cette énergie-là. Je voudrais chuter en donner un petit conseil à tous les Camerounais qui nous regardent et qui ont des cartes d'identité, de faire l'effort de les sécuriser. Pas faire cela deux jours. Moi, j'ai perdu toutes mes pièces personnelles. Oh là là. C'est-à-dire la carte nationale d'identité, la carte d'électeur, badge professionnel et tout. Mais hier, une dame m'a appelé pour me remettre toutes ces pièces-là. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à coller mon numéro en chiffres sur ma carte nationale d'identité. C'est des jeunes garçons qui le font là à la poste centrale. Ils sont vraiment ingénieux. Il y a d'autres même qui partent de bar en bar pour proposer ces services. Pour proposer ces services. Et lorsqu'ils le font, nous trouvons toujours qu'ils... Non, un service qui peut sembler balade. C'est ce type de jeunes qu'il faut encourager. C'est ce type de jeunes qu'il faut encourager. Très bien. Ils le font là à la poste centrale. Ils ont collé mon numéro en chiffres sur ma carte nationale d'identité. Et grâce à ce service, on vous a appelé. Voilà comment on a appelé. Et on félicite la dame qui vous a appelé. Bien entendu. On lui dit merci. Oui, je lui dis infiniment, infiniment merci. Elle m'a remis toutes mes pièces, je les ai avec moi. Très donc, bien. Il faut penser à sécuriser ces pièces. Merci Rodrigue Adalbert Evina. À côté de Rodrigue Adalbert Evina, c'est l'homme au timbre vocal très particulier. Il se fait dorénavant appeler le blanc du plateau. C'est toi qui m'appelles. Alain Duc. Alain Duc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je tiens ici à saluer cet important Audimat. Fidélisé chaque jour à ce programme, je passe dans la rue, parfois je prends le pouls dans les quartiers et tout. C'est une émission fortement courue, il faut se le dire. Félicitations à toi, félicitations à ce média qui monte en puissance et qui n'arrête pas de le faire jour après jour. Je salue les co-discutants, je salue tous les petits artistes de l'ombre qui sont là positionnés, qui créent la magie, qui permettent qu'on nous reçoive partout à travers le monde. Je salue le top management. Je te salue de façon particulière en ce matin parce que je constate que tu fais ce que j'appelle, en mon sens, une espèce de journalisme engagé. Un engagement à résoudre un certain nombre de problèmes socio-économiques. Tu as créé un diptyque désormais dans le cadre de ce programme. Il y a le mardi de l'entrepreneuriat qui démontre que tu as à cœur des préoccupations d'ordre économique. De ceux pour qui tu exerces ce magistère. Et maintenant, il y a un problème politique majeur au niveau de ce qu'on appelle pour certains spécialistes les compétences nationales de l'étranger. Et tu décides au travers de ce programme de poser le problème sur la table. Il fallait le faire. Et je suis sûr que lorsqu'on va avancer dans ce programme, les gens comprendront pourquoi ton initiative est futée, est louable et est digne d'être exaltée. Merci Alain Duc d'être encore là ce matin. De toutes les façons, les sujets ont été proposés, le panel a été constitué. Il ne me reste qu'à recevoir maintenant le digne fils de Boumiébel et qui était en même temps le descendant de Omiobé. Et c'est notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blérugne, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis arrivé tout en joie ce matin. Les méchants ne vont pas gâcher cette joie. Les petits sorciers ne vont pas gâcher cette joie. Je suis arrivé en joie parce que nous avons une collègue qui fête son anniversaire, qui a un an de plus aujourd'hui. Une pépite du journalisme, une pépite de l'animation télévisuelle. Elle est gracieuse, elle est pleine de bonté, elle est intelligente. Elle s'appelle Viviane Andrea. Bessala. Bessala.
Mais en général, les journalistes cachent leur nom. Voilà, donc, quand vous avez quand même un beau nom comme Bessala, ancien champion du monde et tout, de boxe et tout ça. Donc, c'est une petite sœur à qui j'aimerais souhaiter avant toi, parce que je sais que tu vas le faire également, un joyeux anniversaire. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit que les sorciers ne vont pas gâcher. Je comprends très bien. Donc, joyeux anniversaire donc à Viviane Andrea. On peut donc ajouter Bessala sur ça. De toutes les façons, Viviane Andrea, moi, c'est une vieille affaire, hein, une longue affaire. Nous avons exercé sous d'autres cieux. La nature a voulu que nous nous retrouvions encore ici pour faire ce pourquoi nous sommes payés. C'est une femme véritablement joviale. Aujourd'hui, c'est son jour. Joyeux anniversaire, Viviane. La technique n'a pas prévu de bien les choses à elle. Les photos de Viviane Andrea. Quelqu'un travaille ici, vous n'avez pas ces photos. Vous êtes des sorciers. Blériot. Nous n'allons pas gâter la fête de Viviane. Non, je demande s'ils sont des sorciers. Blériot, nous allons vous repasser la parole, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit... Notre bouche peut ternir nos bonnes actions et nos bonnes intentions. Il faut remuer la langue plusieurs fois. On peut reprendre. Notre bouche peut ternir nos bonnes actions et nos bonnes intentions. Il faut remuer la langue plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Parfait, vous pouvez avoir de bonnes idées, de bonnes intentions. Vous pouvez poser de beaux actes, mais si vos paroles sont désagréables, tout ceci peut tomber dans l'eau. Or, il y a des gens... qui spécialement ne prêtent pas attention aux paroles qu'ils avancent aux autres ou qu'ils avancent. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Nous allons marquer une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Papa ici. Bonjour, Papa ici. Qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous voulez perdre votre latin? C'est Blériot et ah, vous-même. Encore Blériot? Non, moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ok, d'accord. Claudia, comment tu vas? Je vais très bien ce matin. Je vais bien. Toute de rose vêtue, hein, oui. Assortie d'une jolie robette de couleur beige. Non, c'est beige. Ah bon? Moi, je ne suis pas daltonien. C'est pas du blanc, c'est du berge. D'accord. Claudia, dites-lui, parfait. Nous partons rapidement en kiosque pour avoir la température qui prévaut. Alors, nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien en faux matin qui s'intéresse une fois de plus à l'assassinat de Martinez Zogo, les dessous de l'éviction de Maître Claude Assira du dossier. Le célèbre et efficace avocat qui défend les intérêts de la DGRE s'est vu déconstituer cet acte à tout le moins curieux intervient après la décision scandaleuse ce 19 août du tribunal militaire de mettre ce service de renseignement au banc des accusés et l'ensemble s'acheminer rapidement et sûrement vers un déni de justice. Alerte, 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 l'information est à lire en page 3 de ce journal. Et nous poursuivons avec Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin, qui s'intéresse à la variole du singe, coqueluche, rougeole, riposte assurée. La page 16 et 17 revient donc cette information à lire en kiosque ce matin. Le quotidien revient également sur le vaccin contre le Mpox.
les premières doses bientôt. Cameroun, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Nous poursuivons avec l'actualité santé, avec la nouvelle expression qui s'intéresse justement à la variole du singe. En page 4, deux morts et 6 cas au Cameroun. Malachi Menaouda a présenté la nouvelle situation épidémiologique du Cameroun. Le 10 septembre, sans des opérations, des urgences de santé publique péril en la demeure. L'information est à lire en page 4 de ce journal. Éco-santé s'intéresse également à l'actualité santé. Ce jeudi, on parle de peine plus, stratégie contre les maladies chroniques et non transmissibles au Cameroun. Joseph Bengboum revient sur cette actualité en page 3 de ce journal. L'actualité en santé, c'est aussi le VIH-Sida avec... mutation en kiosque ce matin. Attention, jeunesse, 2228 nouvelles infections enregistrées en 2023 chez les ados testés. La page 9 revient dans cette actualité en santé ce matin. Nous poursuivons avec le messager. On parle cette fois-ci de prévisions météorologiques. Avis de tempête, l'Observatoire national Le Temps pour moi sur les changements climatiques annonce des risques d'inondations et de glissements de terrain dans plusieurs localités. Pour les mois de septembre, octobre et novembre, la page 3 revient donc sur cette actualité en kiosque ce matin. Et voici le jour qui nous donne quelques chiffres de l'inondation dans le Mayo d'Anaï. 15 morts et 200 000 sinistrés. À côté des morts, plus de 103 000 hectares de champs dévastés et 44 700 maisons détruites. Manmana revient sur cette actualité en page 7 de son journal. L'info à chaud est également en kiosque ce matin et revient justement sur l'affaire Glencore. La SNH tient à rappeler son attachement aux valeurs d'éthique, d'équité et de patriotisme économique. La page 2 revient justement sur cette actualité. Le Point ne manque pas de relayer cette information dans sa grande une. En page 7, affaire Glencore, SNH, Adolphe Mokodi, revanchard. Apprend-on dans son journal paru en kiosque ce matin. La nouvelle expression revient pour parler cette fois-ci de produits pétroliers, baisse possible des prix, se fondant sur l'analyse du marché international et certaines informations confidentielles. Un expert en produits pétroliers prévoit que le président de la République du Cameroun pourrait baisser les prix de ses produits au début de l'année 2025, non seulement parce que la tendance sur le marché international le permet, mais surtout pour polir son image à la veille de la présidentielle. Information est à lire en page 2 de ce journal. Nous poursuivons avec l'événement qui est en creux que ce matin. Le journal nous propose de lire les réformes dans le secteur de l'éducation de base. Lettre ouverte au professeur Laurent-Serge Tundingwa. La lettre est donc à lire dans ce journal paru en kiosque. Et nous poursuivons avec le quotidien Réalité Plus. Paul Gouarekindi nous propose de lire deux actualités. Quelle gloire pour le maire Éric Niat Banganté, ville la plus propre de la région de l'Ouest 2024. Apprend-on dans ce journal paru en kiosque. Au bas d'une, on s'intéresse à l'UPC, annonce la commémoration du 66e anniversaire de l'assassinat de Ruben Uniobe. Le quotidien a été plus reviendant sur cette actualité dans sa une du jour. Et nous clôturons justement avec... le journal Économie Quotidien. Oui, l'économie quotidien qui s'intéresse à la loi de finances 2025, les impôts qui font craquer le gros informel. L'objectif est d'augmenter le nombre de contribuables afin d'élargir l'assiette fiscale. L'information dont à lire en page 3 de ce journal de Thierry Ecouti, paru en kiosque ce jeudi. Merci Claudia pour cette quintessence de l'information paru en kiosque. Il faut dire que ça n'a pas été très facile. Oui. Vous venez même de réaliser un exploit et on sait pourquoi depuis petits problèmes, des graves problèmes de connexion. Hein. Oui. Lorsque la connexion est mauvaise, ça vous dérange au niveau de votre job de tous les matins sur Espace Miné. Mmh. Bravo. Merci. Claudia. Merci. Oui, à parfait. Demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau. Et comme je vous le disais à l'ouverture de ce programme, nous allons prendre le témoignage et la dénonciation d'une dame. Elle est naturellement camerounaise. Elle a perdu sa fille d'à peine 19 ans dans des conditions troubles. Elle est dans ce studio. Compte tenu de la gravité de la situation, j'ai voulu qu'elle-même puisse raconter cette histoire. Alors, Madame Aïssi Antoinette, c'est vrai que c'est dur, mais je vais quand même dire bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Alors, on va aller droit au but. Si vous êtes à Info TV ce matin, c'est parce que vous avez les larmes aux yeux, vous avez une dénonciation. Votre fille est morte dans des conditions troubles et même dans des conditions bizarres. Il s'agit de quoi en réalité? Que s'est-il passé? En fait, c'est une longue histoire, mais je vais arriver à couper. Je dirais que ma fille est morte de suite d'assassinat. En connivence de ma grande sœur, ma sœur aînée, celle que je suis même père, même mère, du nom de Nkolo Marie-Claire et de membre de l'église Oto-Oto. En fait, j'étais dans membre de l'église Oto-Oto. Parce que j'étais dans cette église, mais je suis partie de là. L'église n'a pas supporté que je parte avec mon enfant qui était chantre. Mon enfant chantait depuis l'âge de 7 ans. Je lui ai fait faire, nous lui avons fait suivre plusieurs formations, suite par Queen Etemé, David K et Pat Mabé, dans des masterclass que nous payons parce qu'elle avait véritablement une voix d'or et d'ange. Partout où elle chantait, les gens voulaient véritablement s'accaparer d'elle. Et cette enfant était très intelligente. Elle était toujours première depuis la classe de la maternelle. Et elle sautait même des classes. Donc, elle pouvait faire deux classes par an. D'où elle a eu son baccalauréat en première. Elle faisait deux classes par an. Parce qu'elle était hyper intelligente. Elle m'a laissé tous les tableaux d'honneur de la sixième en première. Tout ce qu'elle faisait, elle était meilleure. Et alors, cet enfant a commencé à être jalousé par ma sœur aînée. Et je voyais, mais le sentiment, puisque j'aimais ma sœur, parce que nous avons vécu dans les conditions d'orpheline, et je l'aimais parce que je me disais qu'on avait souffert étant petite. Je voyais, mais je ne voulais pas véritablement lui demander d'arrêter. Je me disais que peut-être elle pouvait changer. Je ne savais pas qu'elle pouvait arriver à ce niveau. Je me souviens que lorsque ma fille a eu le bac à 16 ans, lorsqu'on a témoigné à l'église que cette petite fille a eu le bac, ma sœur était assise devant moi, elle a baissé la tête, elle a secoué la tête. Moi, ça, le Seigneur m'a fait voir, j'ai été sidérée, mais j'ai fermé ma bouche. Et quand l'enfant est allé à soi, elle a commencé à aller à soi. Deux semaines après, ma sœur lui a donné un billet de 1000 francs. Et après ce billet de 1000 francs, ma fille n'allait plus à l'école. Elle sortait chaque matin, mais elle n'allait plus à l'école. Et quelques temps après, dans mes prières, parce que je prie sur mes enfants chaque matin, pendant que je priais sur elle, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'elle ne va plus à l'école. Et je vais fouiller ses effets, parce que chaque soir, elle nous faisait, elle nous récitait des articles de gloire. Elle ne le faisait plus. Et j'ai informé son père, j'ai dit, l'enfant, s'il n'est pas plus à l'école. Le soir, elle est arrivée, son père lui a demandé, bébé de papa, comment tu n'es plus, nous sommes assoiffés des articles de gloire. Elle dit, papa, tu m'as dévancé, l'affaire m'a dépassé. Comment un enfant hyper intelligent dit carrément en deux semaines que l'école l'a dépassé. Quelques temps après, ma soeur m'appelle, me dit, est-ce que l'enfant a vu le billet de mille? Je lui ai envoyé l'argent par son frère. C'est là où je comprends les choses. Mais j'ai gardé le calme en tant que mère. J'ai continué à prier, j'ai supplié l'enfant d'aller à l'école, elle a refusé. Je lui ai fait faire le concours de l'école normale, elle n'a pas eu. Nous, son père et moi, nous avons pris un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans se laver, sans boire, et pour prier pour cet enfant, pour que cet enfant retourne à l'école. Et lorsque nous quittons de là, de la montagne, nous revenons, disons, maman, il faut retourner à l'école, tu vas faire le concours de l'ESSIC. C'est comme ça qu'elle accepte, et elle a fait le concours de l'ESSIC, elle a réussi. Lorsque ma fille réussit à ma soeur ne venant plus à la maison après 2 ans, elle atterrit à plus de 22 ans moins dans la nuit, elle nous a trouvés dehors. Elle a commencé, elle a surgi comme une sorcière. L'enfant qui tenait le téléphone a caché, a dit, maman, c'est quelle coïncidence ça, pourquoi est-ce qu'elle arrive aujourd'hui?
Et elle a encore sorti le billet de 1000 francs, dit « Maman, ma mère, il faut prendre l'argent, si tu viens, je vais te donner les cahiers. » J'ai demandé « Pas où avec les cahiers, est-ce qu'elle est encore ?»« Tu viens donner les cahiers à Nocturne ?» Elle dit « Elle peut danser. » J'ai dit « Je ne veux pas. » Et j'ai pris cet argent, ma fille refusait de prendre. J'ai pris cet argent et j'ai attaché dans le pain. Elle est partie. Et elle me dit « Maman, j'ai envie de fréquenter. » Donc l'enfant comprenait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça que l'enfant a pu faire le premier semestre où elle a eu 15,200 de moyenne, troisième de sa classe à l'ESTIC. Elle faisait option publicité. Le deuxième semestre, l'enfant disparaît, l'enfant fuit. Je cherche mon enfant, je ne vois pas. Avant cela, après, avant, elle commençait à faire fuir mon enfant, fuguer mon enfant. Et pendant que je cherche, je dis que comme l'enfant est en train d'entrer en puberté, est-ce que l'enfant s'y cherche derrière les hommes? Je dis, est-ce qu'il est cherché derrière les hommes? Nous fouillons, nous cherchons l'enfant partout. Nous allons à la gendarmerie, nous cherchons l'enfant. Et quand j'arrive, je dis que mais je peux chercher l'enfant. Est-ce que j'ai même informé ma famille? Je vais chez elle pour lui dire que est-ce que tu sais que Mélissa s'est tellement cherchée derrière les garçons? Elle, je ne la vois pas. Je trouve mon enfant chez elle à 5 heures. Mon enfant à 6. Elle part. Elle sort dans ses activités et son fils va à l'école. Elle enferme mon enfant à la maison. Mon enfant reste un enfant qui est un bachelier. Est-ce que l'affaire était encore simple? Je dis, même on disait, mon enfant rentre à la maison, elle refuse. Je dis, libère mon enfant, elle refuse. Il fallait toujours que j'appelle, parce que je n'avais pas l'habitude de taper sur mon enfant. Je n'avais pas commencé là. Dites à cet enfant, cette femme de libérer mon enfant. C'est comme ça qu'elle libérait. Elle a libéré l'enfant. Et cette fois-ci, l'enfant a fait un mois. Je savais que mon enfant ne se baladait pas. Mon enfant était si c'est né à la maison, c'est à l'école. C'est né à l'école, c'est à l'église. Je vais donc à l'église. Nous appelons le pasteur. Le pasteur dit que oui, elle était là. Elle nous a dit au revoir, qu'elle part. Elle s'en va aussi. Donc, non, c'est-à-dire que bon, maintenant, elle a compris qu'il faut quitter l'église. Comme on a quitté l'église, l'enfant n'était ni à la maison. J'appelle ma grande soeur, je dis que est-ce que l'enfant est là-bas? Elle dit que ne me prononce plus dans tes affaires. Moi, j'ai laissé. Je suis allée à la gendarmerie de Ngousso. On a commencé à chercher l'enfant. On a localisé l'enfant à Ngousso, là où ma soeur habitait. Et elle venait juste à peine de déménager. Elle allait prendre une chambrette. Parce que elle était la maison précédente à laquelle elle était, c'est moi qui lui avais donné l'argent pour aller chercher cette maison. Parce qu'elle voulait venir habiter à la maison, j'ai dit non. On lui a mis de l'argent, j'ai donné l'argent, va chercher la maison. Elle est partie chercher la maison, une maison qu'elle n'avait jamais manquée, n'avait jamais voulu. J'ai cherché comme ça là, parce que mon enfant était enfermé chez elle. Et cette fois-ci, elle a déménagé, elle était dans cette maison. J'ai donc appelé, et la gendarmerie a localisé l'enfant là-bas chez elle. La gendarmerie s'est encore déportée même à l'église, pour dire au pasteur de libérer, parce qu'avant, précédemment, mon mari allait voir le pasteur, il dit que je ne suis plus ici, libère mon enfant, je ne veux plus voir mon enfant ici. Et la relation que vous avez d'ailleurs, tu sais, entre le pianiste et ma fille, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Quel pianiste? Le pianiste de l'église au Toto. Ah, d'accord. Il a dit, je ne veux pas ça. Et puis, lorsque nous sommes arrivés, le pasteur a défendu le pianiste parce que la gendarmerie était venue pour arrêter le pianiste pour dire, demander de sortir l'enfant parce qu'ils savaient là où l'enfant se trouvait. Et puis, le pasteur appelle, le pasteur dit au commandant que je vais vous donner l'enfant dans 3 jours. Et 3 jours après, il ne sort pas l'enfant, la gendarmerie donc, appelle. Le pasteur, c'est une manière de reconnaître qu'il connaît là où il y a l'enfant. Oui. Et il répond à la gendarmerie que je vais vous donner l'enfant dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Et maintenant, quand le commandant appelle, c'était devant nous que nous sommes déjà dans les délais. Où est l'enfant? Et il s'est mis à gronder le commandant. Le commandant. Faut pas me déranger quand je veux vous aider. C'est même quoi? Tu es devenu quoi? Tu veux m'influencer? Nous-mêmes, on a aussi les gens. Nous-mêmes, on a aussi les gens. Et puis, nous sommes sortis. Nous sommes rentrés, mon mari et moi. Nous n'étions même pas encore loin. Nous étions au niveau de l'omnisport. Le commandant nous appelle. C'était l'adjoint au commandant nous appelle pour nous dire que. Le pasteur dit que attendez la convocation. L'enfant va vous porter plainte. Je reste tranquille. Nous sommes restés tranquilles. Et puis, lorsque nous restons tranquilles, quelques temps après, presque un mois après, ma soeur vient atterrir toujours dans ses 21 heures. Elle vient nous donner temps d'une convocation. Vous êtes convoqué. Entre-temps, vous n'êtes pas toujours avec votre enfant. Nous ne sommes pas avec notre enfant. Ça fait plus d'un mois. Oui, nous ne savons pas là où elle se trouve. Et maintenant, nous avons localisé qu'elle se trouve, c'est l'église qui connaît. Dans la nuit, votre grande sœur ressurgit avec une convocation que l'enfant vous a porté plainte. Oui. Et lorsque nous arrivons ce lundi aux affaires sociales de Mesta, on trouve ma sœur aînée là avec l'enfant.
Alors qu'elle avait dit qu'elle ne savait pas là où il y a l'enfant. Elle ne savait pas là où il y a l'enfant. Et lorsque on arrive là-bas, la dame dit que soit c'est un avocat, donc ils avaient là pris les avocats, c'est un avocat qui est venu déposer l'enfant. Et puis, ils ont raconté une histoire, on ne comprend pas. Et ma soeur disait à l'enfant que nous sommes venus ici pour prendre tes diplômes et ton acte de naissance. Tu ne rentres plus là-bas. Si tu ne prends même pas ça, tu ne mets plus pied chez moi. Je t'avertis. Elle menaçait devant nous. L'enfant tremblait. J'ai demandé que c'est la sorcellerie. Et j'ai dit à mon enfant qu'on rentre. Elle m'a renié. Elle a renié son père. Ma soeur aînée qui était venue du village dit que Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas? Dis à cette sorcière que laisse l'enfant de ta petite. Tu n'as pas tes enfants. C'est quoi même avec l'enfant de ta petite? Qu'est-ce qui ne va pas? Et grondait. Et l'enfant nous a renié. Je vous assure que je me suis déshabillée. J'ai dit à mon enfant, je me déshabille. Je me déshabille. Je me suis déshabillée. Les gens commencent à crier. Je dis, tu m'as renié, tu veux ton père. Tu peux te faire quoi? Elle n'a même pas de maison. Elle ne mange pas. Pour qu'elle mange, je dois lui donner. Maman, tu m'as refusé, c'est maman. Mélissa, c'est maman. Regarde-moi. Regarde ton père, c'est nous. Mon enfant ne nous reconnaissait plus. L'enfant ne me reconnaissait plus. La sorcière est sortie, elle est partie la table de la route. L'enfant a fui, elle est partie se cacher derrière. Mon mari s'est assis par terre, pleurait. Il disait que je veux mon enfant. Tu ne rentres pas, je veux dire quoi à ma famille? Comme j'ai vu mon enfant avec les yeux et je ne suis pas rentrée avec l'enfant. On est resté là jusqu'à 17 ans. Les gens, les affaires sociales nous chassaient. Qu'on parte, ce n'est plus. On ne peut pas forcer un enfant comme ça là. On sera arrivé plus tard, 17 ans, je suppliais, me mettant à genoux que maman rentre à la maison. Maman, j'ai appelé ma mère, affectueusement, c'est que je t'appelais ma mère, rentre à la maison. Nous sommes arrivés ce jour-là. Nous sommes arrivés ce jour-là, mon enfant fait 2 semaines à la maison. Je l'ai lavé, j'ai recommencé à la laver. Ce jour-là, j'ai pris mon enfant, j'ai fait asseoir sur la véranda, j'ai mis le bain, j'ai lavé. J'ai dit que maman, même si je déshabillais, ça ne peut pas t'atteindre. Je l'ai lavé. Chacun est rentré de l'école le soir, maman, je vais te laver. Oh. Je vais te laver encore. Je lavais ma fille. Je lavais mon enfant. Jusqu'au jour, un dimanche, elle dit que ma mère, nous, on ne part plus dans l'église. L'église, nous, ça va. L'église a pris tout mon argent. Maintenant, quand l'église reprend derrière les enfants, je refuse, je reste à la maison. Restons à la maison. Et puis, mon enfant me dit, elle se lève, elle dit que je vais aller à l'église. Je dis que maman, tu pars dans quelle? Tu pars à l'église au plus. Puis, elle est à la maison. Elle me dit que je vais à Auto. Je dis que Mélissa, Dembe, ya, de te m'embobler. C'est ce que j'ai dit. Ya, de te m'embobler. C'est devenu quoi avec ton enfant si elle s'est levée, fait la guerre ou bagarre avec son père, ce qu'elle n'avait jamais fait. Maman, c'est quoi? C'est toujours l'église comme ça là, ma mère. Ma mère, c'est toujours l'église comme ça là. Un couple, parce qu'elle en bas est venue supplier l'enfant. Appeler même le bailleur est venu. On a tout le monde à supplier cet enfant. Le couple a pris l'enfant, elle est avec l'enfant, elle savait l'enfant. Supplier l'enfant, l'a consoler, l'a remonté. Elle leur a dit que ça va, je rentre à la maison. Ils lui ont dit, on t'a accompagné à la maison. Elle dit, non, je connais la maison. C'était des voisins. Elle est venue la caresser, elle a dit, au revoir ses petits frères. Je revois ma fille seulement nue à soi, pour me dire que l'enfant est décédé. Comment vous avez su que votre enfant était décédé? L'église est Auto. Oui. Une dame de l'église, toi c'est la mère de la chorale, quelque chose comme ça, qui m'appelle donc au foulou pour me demander est-ce que Mélissa est où? Je lui demande que Mélissa est où, comment? Les fois vous m'avez arraché l'enfant, les fois vous êtes fort, vous m'avez arraché l'enfant, vous venez me demander que Mélissa est où, comment? Elle me dit, ok, attends encore. Lorsqu'elle raccroche, mon cousin m'appelle, il me dit, il faut serrer le cœur. Parce que je vais serrer le cœur, comment c'est que mon cœur était dehors, parce que mon enfant était dehors. J'ai dit que, donc vous avez tué mon enfant. Donc mon enfant est mort. Donc mon enfant est mort, elle dit oui. Je suis partie de là avec des voisins. Nous sommes partis, mon mari et moi et des voisins. Nous sommes allés, on a trouvé l'enfant. J'ai d'abord demandé que ma soeur est où. Elle est où? J'ai trouvé ce pianiste était là. Et les femmes auto, les femmes là, les mères, toute l'église, c'était l'enfant était entouré avec l'église auto. Ma soeur même étant partie. Cette église, on est parti là, j'étais à l'hôpital de soi. Pourquoi? Parce que le directeur de l'hôpital de soi, c'est mon petit cousin.
donc aller déposer chez son oncle. En arrivant là-bas, l'oncle n'était pas là. Il est en mission à l'étranger. Ils ont donc vu, bon, ils sont avec le corps, il faut qu'on ramène le corps parce qu'ils cherchaient à venir jeter le corps chez moi. Ils ne voyaient, ils ne connaissaient pas la maison. Et maintenant alors, ils ont maintenant appelé mon oncle, le petit frère de ma mère qui est aussi là à soi, que vient prendre le corps. Qui leur donnait ces informations si ce n'est ma soeur? Qui leur donnait ces informations? Qui donnait ces informations à l'église si ce n'est ma soeur? Elle qui avait dit, et pendant ce temps, quand, après les affaires sociales, j'ai dit que je voulais porter plainte à ma soeur. Mon mari a dit non, il ne faut pas d'abord commencer comme ça. On va dire que tu as traversé la famille pour arriver. Je suis arrivée dans la famille maternelle. On a fait asseoir les aînés, les grands, les oncles, les vieux avec la femme. Elle a dit qu'elle n'amène pas la femme. Elle a dit qu'elle nous a répondu qu'elle ne fait pas, elle ne fait plus de longs voyages. Elle ne fait plus les longs voyages. Elle ne peut pas amener l'enfant. Si on veut l'enfant, quand même prendre l'enfant à Yaoundé. Les gens se sont déportés. Nous sommes encore venus à Yaoundé. Elle disait à l'enfant, quand on arrive là, même si je t'amène, tu dis que tu ne pars plus avec tes parents. D'accord, on va évoluer. Hein. Oui. Maintenant, quand vous êtes donc allé trouver le corps était à l'hôpital de soi. Oui. Mais la, on a amené seulement le corps. La fille était on a amené le corps. Voici le constat de décès. Tout à fait. Oui, le constat de décès dit que l'enfant, ils l'ont amené encore et non un malade. Et quand nous voyons cette photo qu'on a filmée dans l'enfant, c'était comme si on faisait des rites à cet enfant. Vous avez trouvé le corps dans quel état? L'enfant était tout nu, couvert, tout nu, sans caleçon, avec un bras comme si un bras est cassé, comme si on forçait, comme si on faisait des rituels, si on a fait des rituels sur l'enfant. Et encore qu'on a déposé à 5h, commençait déjà à pourrir à 7h du matin. 7h, le ventre ballonnait déjà. 8h, quand j'amenais mon enfant sentait. Alors, j'ai ici le constat de décès. Hein. Je sous-signais le docteur, c'est Belinga, Anissé Godefroy, en service à l'hôpital de district de Soa, atteste que Mlle Onkwa Aïssé Mélissa est effectivement arrivée décédée le 25 août 2024 à 5h46 à l'hôpital de district de Soa. Fait à Soa le 25 août 2024, c'est signé le médecin. Bon, nous n'allons pas montrer un certain nombre d'images à la télé pour des raisons d'éthique et de déontologie. Les images sont tout simplement choquantes. Donc, vous avez retrouvé la fille toute nue, oui, avec un bras pratiquement comme si le bras est cassé. Mmh. Et maintenant, dès que vous avez retrouvé ce corps, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? On a pris le pianiste qui était là avec le pianiste de l'église. De l'église avec le groupe ces gens. Apparemment, le pianiste était déjà son petit ami. C'était déjà son petit ami. Mmh. Ils allaient faire ça sur le lit de ma grande sœur. Ah bon? Oui, dans la chambre de ma grande sœur. Donc, votre grande sœur leur laissait la chambre. Oui. Et elle allait dormir chez votre fille. Oui, elle allait dormir ailleurs. Elle allait dormir ailleurs. Oh, d'accord. Alors, vous avez saisi qui? Est-ce qu'on a interpellé certaines personnes? On a pris le pianiste comme la gendarmerie est là à côté. La gendarmerie de soi. De soi. On a amené, ils sont arrivés. On a gardé le gars pour les besoins d'enquête. Et avant qu'on arrive même à éleveur, quand mon mari, parce que j'étais troublée, c'est en route que je lui dis, qu'est-ce que tu sais que l'enfant s'y est toute nue? Et puis, il commence, on fait demi-tour pour arriver. La gendarmerie nous fait comprendre que le procureur a appelé. Le procureur a dit que qu'on le libère. On demandait de le libérer. Au moment où on a interpellé le pianiste, oui, vous m'avez dit en off qu'il avait le téléphone de votre fille. Oui, et le portefeuille. Dans son portefeuille. Oui. Le pianiste en question. Oui. Mais quelques heures plus tard, il a été à nouveau libéré. Libéré, oui. Est-ce que vous êtes rapproché du pasteur de l'église? Je l'ai appelé, je ne connais plus là où il est, il dit qu'on l'a affecté. On dit qu'on l'a affecté. Donc il est porté disparu. Oui. Il y a aussi son supérieur qu'on avait vu. Mon mari allait le voir pour lui dire que dites à votre pasteur de libérer mon enfant. Il a demandé à mon mari si mon mari venait l'influencer. Lui aussi, j'ai appris que lui aussi il est parti en France. Donc la fille en question, votre fille vivait déjà entre la maison de votre grand-sœur et l'église. Et l'église, oui. Bon, entre-temps, est-ce que vous avez porté plainte ailleurs? Oui, nous avons porté plainte ailleurs. Mais ça piétine à... Je ne sais pas, c'est la PJ. Non, du côté... Dans quel quartier? De Mokolo. Donc, c'est le commissariat de Mokolo? Oui. Et votre grande sœur, elle est où? Je ne sais pas.
On m'a juste appelé hier, disant que elle est partie laisser le téléphone à soi chez mon oncle. Que le téléphone oncle, de qui? De ma fille. C'est mon oncle qui m'appelle que j'ai récupéré le téléphone de ma fille. Ma soeur est partie déposer. Donc le gars lui a donné le téléphone et puis elle est partie laisser. Pour l'instant, le corps se retrouve où? À l'hôpital Jameau. À la morgue de l'hôpital Jameau. À la morgue de l'hôpital Jameau. Elle avait 19 ans. Oui. Elle est à l'ESTIC. Elle est à l'ESTIC. Première année publicité. Merci, hein, Madame Antoinette Aïssi. On vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Merci. Nous allons permettre aux autres panélistes de pouvoir coller un mot après avoir suivi cette histoire. Je commence par Lazare Zambo. Lazare, je ne vous pose aucune question. Vous avez suivi de bout en bout l'histoire d'Antoinette Aïssi, qui est la maman de la petite décédée. Votre réaction? Ma première réaction, n'est-ce pas, c'est la douleur, parce que on a un cadavre entre les mains. Oui, ça fait mal, n'est-ce pas, de perdre un enfant, de perdre une Camerounaise âgée de 19 ans, surtout qu'on la présente comme étant une jeune fille qui était très intelligente. Preuve, l'âge à laquelle elle a pu obtenir son baccalauréat, malgré quelques flottements après, elle a réussi avec brio son concours à l'ESTIC. Elle était parmi les meilleurs étudiants, n'est-ce pas, de cette prestigieuse. Mais de l'autre côté, le deuxième commentaire, c'est l'histoire des religions, l'histoire des églises. Lorsque j'ai écouté Madame Aïssi, à plusieurs fois, elle est revenue sur des problèmes d'église, des pasteurs. Et quand on connaît un peu ce qui se passe chez nous avec ce qu'on appelle trivialement les églises des réveils, on sait quand même qu'à la tête de certaines églises des réveils, on a pu découvrir qu'il se trouvait à la tête de ces églises des véritables gourous. Au passage, j'ai également entendu Madame Aïssi dire « L'église là m'a fini beaucoup d'argent, a fini mon argent. » Et ça veut dire il y a quelque chose. Suite est dit, elle a choisi de partir de cette église. Et si je l'ai bien écouté, elle dit aussi l'enfant a commencé à chanter à cette église à 7 ans. Donc ça veut dire que si Madame Aïssi a intégré cette église, alors qu'elle était déjà majeure, la petite, quant à elle, était encore enfant. Et c'est cette église qu'elle a connue. Et si c'est une église pilotée par les gourous, on peut donc imaginer qu'un enfant qui a justement été élevé dans ces conditions, elle dit que si la maman elle a eu le courage et la force de dire « Attention, ça va mal ici, je pars », la petite fille, quant à elle, elle n'avait que cette église dans le sang. Sûrement difficile pour elle de sortir de là. Et ce n'est pas de temps plus facile quand on connaît comment ces églises de réveil fonctionnent. Elles recrutent en permanence et il y a toujours des lieutenants qui se battent afin que ceux qui y sont déjà ne repartent pas. Donc c'était le cas de cette jeune fille et peut-être de la maman de subir sûrement des pressions de rentrer dans cette église, de ne pas suivre sa mère. Et quand on connaît le pouvoir que ces gourous ont souvent sur leurs ouailles, elle dit d'ailleurs à un moment que sa fille l'a renié son papa. Elle ajoute également qu'elle a pleuré, que pensant qu'elle a récupéré sa fille au moment, sa fille lui a dit « Maman, je vais à l'église. »
Donc vous voyez donc il y a un aspect qu'elle m'a donné en off parce oui. que pour dire aux téléspectateurs, elle m'a raconté toute cette affaire en off. Là-bas, le pasteur a posé la question à la fille, tu choisis quoi, Dieu ou bien tes parents? La fille a répondu, je choisis Dieu. Dieu. Voilà, vous voyez des questions de manipulation. Et alors dans ce tiraillement, on peut également imaginer toute la pression que cette petite fille avait. Même si elle avait déjà son choix, qui est le choix de rester dans cette église, ce qui devenait difficile pour elle, c'était maintenant de résister à ses parents qui voulaient la sortie de là, qui voulaient à tout prix lui donner de nouvelles orientations. C'est donc dire que l'histoire qu'elle raconte aujourd'hui, qui a abouti à la mort de cette jeune fille, parce que on ne sait pas pourquoi elle est morte. Quand on voit, n'est-ce pas, ce document qui a été délivré par un médecin, il dit qu'elle est arrivée étant morte. Déjà morte. Elle est arrivée morte. Et étant nue. Nue. Avec un bras cassé. Cassé. Alors, d'où est-il passé? Il passait. Pourquoi est-elle morte? Entre temps, le pianiste a son téléphone. A son portefeuille. Tout à fait. Et on voit que ces gens également tournent autour de la famille de la fille. C'est-à-dire que si officiellement on sait que sa grande sœur fréquentait cette église, mais elle a également cité deux de ses frères, n'est-ce pas, un médecin, n'est-ce pas, qui est à l'étranger. Il y a quelqu'un d'autre à qui on est allé remettre le téléphone de la fille. Pour dire que l'église quand même, ou alors les membres de cette église, n'est-ce pas, détient un certain nombre d'informations qu'on doit pouvoir dévoiler. Merci. Hein. On va prendre l'avis de Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Evina, en paraît circonstance, on perd même par moment son latin. Voilà donc une jeune fille qui perd la vie dans des conditions atroces. Oui, c'est une histoire particulièrement douloureuse. Certains, en fait, parfois combattent ce qu'eux ne connaissent pas. Moi, étant trop jeune, j'étais vite très tôt catéchiste dans une très grande paroisse baptisée la Nouvelle Jérusalem. Certains parlent dans les médias et autres disent des choses sans trace. La paroisse Nouvelle Jérusalem est située là en Colmessin, ici même à Yaoundé. Donc c'est l'EPC, Synode Sud, Consistoire Villa-la-Grâce. J'étais catéchiste là-bas pendant 8 ans et consacré ancien de l'église en 2012. Mon attestation de consécration est encore à la maison. Les pasteurs, ou alors certains pasteurs, pour ne pas être excessif, je pense que eux voudraient se substituer justement à des chefs de famille. Et non seulement qu'ils voudraient se substituer à des chefs de famille, il y a que ce sont des gens qui bénéficient d'une très grande complaisance de l'administration publique. Parce que voici l'unique entité qui n'est pas contrôlée au Cameroun, qui ne paye pas de taxes, des impôts, ou des individus au nom, je ne sais de quel dieu, s'enrichissent au jour le jour. Vous avez écouté la dame qui dit qu'elle a financièrement investi dans cette église, mais au-delà, l'église a bouffé tout son argent. Tout son argent. Mais maintenant, voici la petite Aïssi, bébé, qui obtient son baccalauréat à 16 ans et qui, à l'instinct, était particulièrement brillante. C'est-à-dire qu'elle avait tout un boulevard devant elle, toute sa vie devant elle. Donc la première chose, la première analyse que je peux faire, c'est que ce sont effectivement des gourous, comme on illustre Aîné, Lazare Zambola dit. Ce sont des gens qui sont dotés d'un pouvoir, c'est-à-dire, je voudrais, leur emprise sur les familles est tellement grave. Au-delà des enfants, il y a des cas de foyers même qui se détruisent parce que le pasteur a dit,
Parce que le pasteur a décidé. La femme que vous avez épousée n'est plus à vous. Elle ne vous écoute plus. Elle fait tout selon ce que papa a dit à l'église ou le Dieu de papa. Au-delà de ça, quand je parle de la complaisance des institutions de notre pays, vous avez vu le Rwanda, M. Paul Kagame de ce côté, essaie de réguler cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on doit connaître la moralité de ceux qui sont à la tête des églises. On doit connaître jusqu'à quel niveau ils peuvent vraiment s'occuper de ce qu'ils appellent des brebis. Parce que moi, étant devenu kémite, vraiment cette appellation-là me dérange beaucoup. Alors, lorsque je parle de là, je voudrais maintenant parler de la famille. Peut-être que mon aîné Blériogne Mec est bien placé pour le dire. Je suis aujourd'hui parmi les citoyens qui se demandent que deviennent même nos familles aujourd'hui. Cette dame a plusieurs fois parlé de sa grande sœur. Tout à fait. Elle a plusieurs fois cité sa grande sœur. Elle discutait à son enfant avec sa grande sœur et sa grande sœur qui amenait l'enfant encore dans cette église. Et qui vient avec des mystérieux billets d'argent de 1000 francs donnés à l'enfant. À chaque fois qu'un enfant. Et à chaque fois que l'enfant touchait à cet argent, l'enfant changeait de comportement. Ça veut dire que elle ne venait pas simplement en tant que tante pour donner un coup de main à sa sœur. Il y avait certainement un travail mystico-spirituel déjà fait pour détourner cet enfant de sa trajectoire qui était déjà bien tracée. Moi, je pense qu'en pareille circonstance, il faut déjà se mettre dans un esprit de recueillement. Il faut se mettre dans un esprit de méditation. Et maintenant, parce que le fait est fait, l'inhumation aura lieu. Mais après l'inhumation, j'encourage ce couple à se mettre dans une posture vraiment de contre-attaque. Et est-ce qu'on doit d'abord inhumer alors que nous n'avons pas encore toute la vérité? Non, bon, moi je parle. Non, j'étais au niveau de la famille, je ne parlais pas encore du droit. Parce que je voudrais dire que quiconque est responsable de cette affaire doit subir, que ce soit par la voie judiciaire ou même traditionnelle, parce que nous qui sommes des Bantous, on ne parle même pas trop dans vos tribunaux là. Quand ça ne va pas, on prend des mesures. Très bien. Qui sont des mesures à montrer à l'église que lorsque les vrais Africains veulent s'asseoir pour prendre des vraies décisions, même l'église ne parle pas à tous les niveaux, que ce soit mystique ou spirituel. Merci bien. Alain Douk. Il y a un certain nombre de détails qui ont été donnés. Le pasteur a été, la gendarmerie à un moment donné s'est rapproché de ce pasteur lorsque pour une énième fois la maman et le papa cherchaient la fille. Ils sont arrivés chez le pasteur. Le pasteur a dit qu'elle va libérer la fille dans 3 jours. Le pasteur dit ça aux gendarmes. C'est-à-dire que les parents cherchent la fille qui a disparu de la maison. On arrive chez le pasteur. On soupçonne que la fille est chez le pasteur. Et le pasteur répond que je vais libérer la fille dans 3 jours. Et les gendarmes partent. Après 3 jours, les gendarmes recommencent encore à appeler le pasteur pour lui dire que ben, depuis là, la fille n'est pas toujours revenue. Et le pasteur commence à gronder le commandant de brigade. Votre réaction? En réalité, je sais pas, je suis bouillonnant dans un certain nombre de choses. Toute cette histoire aurait pu servir totalement à toute une émission. Mais oui. Là, il faut vraiment dire des choses et de façon synthétique. Écoutez, le cliché qui a été présenté est symptomatique d'une société de l'aliénation. Une aliénation où on instrumente la religion. Et il y a une fin, un dessein même politique qui sert cette aliénation. Parce que, disons le nom, tout ce qu'on veut bien mettre sous l'étiquette d'église, ce sont des dénominations. Oui. Bah, c'est comme des marques dans un supermarché. Et vous allez voir que pourquoi moi, et je le dis depuis des années, il faut que les gens vivent des choses comme ça pour comprendre. En réalité, je le dis toujours, toutes ces entités dénominationnelles
catholique, adventiste, luthéranisme, je sais pas moi quoi, jéhovaïsme, toutes ces choses sont des sectes. Ah bon? C'est des sectes. Alors, comment on définit une secte? Il n'y a pas de temps pour parler de ces choses. Une secte, c'est une entité qui s'est excentrée de l'orthodoxie doctrinale initiale. Et vous allez remarquer que dans toutes ces entités, elles ne sont pas fidèles à la prescription initiale, scripturale et doctrinale de ce qu'est foncièrement la foi chrétienne et biblique. Parce que les gens n'ont pas les outils pour le comprendre, ils ne le comprennent pas. Ce sont des sectes pourquoi? Parce que le plus clair, si ce n'est toutes ces entités, ont, quand vous allez fouiller dans leur histoire, une origine kabbalistique. Si tu les as les termes forts, là. Oui, monsieur. Le plus clair de ces mouvements religieux sont créés par la franc-maçonnerie, la cabale maçonnique. Vous allez voir ce qui se passe dans les églises de réveil en réalité pour prendre le contrôle mental des gens. Tel que j'ai vu, ils ont pris le contrôle mental de la mère elle-même, du père pendant quelques années avant qu'il y ait ce regain. Avant qu'il ne se réveille. C'est vrai. Ils lobotomisent les cerveaux. La maman elle-même avoue qu'elle a perdu tout son argent dans cette église. Ils utilisent des techniques de contrôle. Mais ils ont aussi pris sa fille. Ils utilisent, disais-je, des techniques de contrôle mental foncièrement ancrées dans l'occulte. Vous allez voir, c'est des techniques de la cabale et des religions orientales qu'ils utilisent là pour prendre le contrôle des chakras des gens et asservir des consciences, les rendre dociles. Vous allez les voir, il y a des petits indicateurs, les gens ne prennent même pas le temps de se rendre compte que ces entités sont hérétiques, leurs pasteurs et autres gourous avec. Dans la Bible, par exemple, dans Matthieu 28, il est dit que vous ne devez sur le plan spirituel, sur le plan religieux, appeler personne père. Ouais, mais là-bas, on les appelle papa. Ils vous aliènent, ils vous infantilisent. D'autres, à un autre niveau, sont papes. Ben, cela à leur petit niveau, pendant qu'ils fustigent le pape d'une autre dénomination sectaire, eux-mêmes se font appeler papa en dessous. Ben, ça ne cause problème à personne. Donc, il faut qu'on comprenne qu'en réalité, on s'est foutu dans le pétrin dans ce pays. C'est compris. Vous parcourez un pays. C'est vrai que je disais, on ne peut pas parler. Compris. Non, vous allez maintenant parler du fait. Vous avez à parler abondamment de l'aspect religieux. Mais maintenant, une jeune fille est morte. Oui. Elle est encore à la morgue. Elle est à la morgue de l'hôpital Jameau. Vous avez suivi l'histoire. Que faut-il faire? Déjà, je vais dire à la mère et au père qu'ils ont fait un tout petit peu montre de laxisme. Parce que c'est une histoire tout autour de la sorcellerie, hein, de la sorcellerie de l'occulte. Tant au niveau de sa sœur, oui, qu'au niveau de ses églisiens, hein, de ses hommes d'église. Ce n'est qu'une histoire autour de la sorcellerie. Parce que je ne comprends pas comment une tante, donc mère chez nous, dans notre culture, la tante c'est la mère. Votre sœur, madame, c'est la mère de votre fille, mais elle a eu le courage de prendre cet enfant, disiez-vous, de permettre qu'elle couche avec le pianiste sur son propre lit. Donc, elle a cautionné la concupiscence. C'est le pianiste de l'église. De l'église. Et là, ce n'est plus la fornication. Non, ce n'est plus la fornication, comment là. On te dit que ce sont des sectes. Ça les arrange. C'est-à-dire qu'il y a l'arrière-plan qui échappe aux gens et qui est la vérité. Et il y a ce qu'ils veulent bien vous projeter comme une image de, en exaltant un certain Christ, mais qui n'a rien à voir avec le Christ. C'est de ça qu'il est question. Voilà le vrai visage. C'est des criminels, c'est du crime en bande organisée. Merci. Donc, et maintenant, il faut prendre toutes les mesures possibles, madame. Je sais pas comment vous, quand une personne vous démontre déjà qu'elle est une ennemie, parce qu'elle vous a montré qu'elle n'aimait pas l'enfant, vous l'avez vu. Mais vous avez continué à la traiter comme sœur. Non! Non! C'est une grossière erreur. Dès qu'elle a montré les premiers signaux d'envie, de jalousie, d'antipathie vis-à-vis de sorcellerie. De sorcellerie, madame, vous auriez dû prendre les moyens les plus drastiques. Et aller même chercher même déjà, lorsque vous avez quitté l'église, à voir dans quelle mesure, même dans la perspective bantou, mon Dieu, je le dis aujourd'hui, voir comment me protéger cet enfant. Puisque vous ne vous reconnaissez qu'il y avait un dépôt particulier, tant sur le plan mental, intellectuel que spirituel sur cet enfant. Vous avez lésiné. Merci Alain Doc. Oh, Pierre Blériot, Niamek, ce n'est pas facile. Hein.
sur une telle histoire avec à la clé une mort. Pierre Blérugnemec, les parents sont inconcevables. Vous avez vu la maman tout à l'heure en pleurs. Le corps de la jeune fille est à la morgue. L'enquête piétine. Pour l'instant, personne n'a encore été interpellé. Je vous passe la parole. Oui, mais je suis désolé, je ne montrerai pas d'émotion particulière. J'aurais pu poser une ou deux questions à la maman, parce que dans son langage, il y avait des hiatus. Que fuyait l'enfant chez ses parents? J'ai pu observer que elle disait ce que les autres disaient à l'enfant, mais elle ne disait pas ce qu'elle-même disait à son enfant. Je vais peut-être me servir de son cas pour prévenir beaucoup d'autres parents. Que la colère ne vous fasse pas participer à la sorcellerie sur vos propres enfants. Première chose. Deuxième chose, la naïveté que je dénonce ici tous les jours. Les gens disent que oh, Nyemere méchant, il a... On dit, mais il y a même une chanson qui est sortie que j'ai chassé mes frères de la maison. Les frères, il faut savoir quand est-ce qu'ils arrêtent d'être frères. Donc c'est vous qui avez livré à votre soeur votre enfant. Lorsque votre soeur pouvait encore arriver chez vous, donner de l'argent, vous prenez l'argent, vous mettez dans le tissu. Non. Et où que vous alliez, même si vous piégez ce corps, vous-même vous irez dans cette affaire. Je préfère vous le dire. Comment ça, Blérion? Oui, oui, elle ira, elle a contribué. Et on l'a même... Elle a contribué à quel niveau? On l'a utilisé par deux fois. La première fois, elle s'est déshabillée devant son enfant. Et elle a dit à l'enfant, même si je me suis déshabillé, ça ne fait rien. Vous n'avez pas prêté attention, ça c'est vu. Non, la priorité. C'était déjà la sorcellerie qu'on utilisait elle-même. Parce que quand elle est sortie de l'église, elle ne s'est pas libérée des démons qu'elle avait ramassés à l'église. Alain Douk s'est étendu longuement. Quand vous entrez dans les églises, on vous envoûte. On ne sort pas seulement avec les pieds. J'en ai marre, je sors. Non, votre âme reste là-bas. Et cette église peut continuer à faire des choses. Il faut vous laver. Moi, je ne veux pas parler beaucoup des églises. Alain Douk a parlé, les gens ne savent même pas qui est Alain Douk dans sa formation. Moi, j'ai été pasteur. C'est quand j'ai découvert ce que c'est que l'église en réalité, que ce que c'est. Parce que vous venez vous asseyez là. Vous voyez, regardez un peu ceux qui sont les pasteurs des églises dans leur vie privée. Regardez-les, vous aimez faire confiance. Ouais, je connais un jeune pasteur là qui a déjà enseigné au moins 8 filles de son église. Il a fait, bon, si je dis 8, je suis modeste, peut-être 48. Il les fait avorter tout le temps, mais ses photos sont dans toute la ville. Ah oui, monsieur. Du Yaoundé de Douala. Mais vous voyez que ça, c'est un bandit. Et papa tel. La Bible dit, n'appelez personne père. Il n'y a de père spirituel que Dieu. Salut. Mais eux, ils disent, appelons-nous père. En fait, c'est eux les égrégores de leur propre. Et regardez les autres grands pasteurs d'Afrique quand ils arrivent. Les petits pasteurs vont faire allégeance. Vous croyez qu'il s'agit de quoi? Quand vous êtes dans des grands ordres mystiques, on dit que les gens ont peur de venir dans les ordres. Ici, voici ce qui se passe. Les gens des ordres se séparent. Ils vont créer les églises. Voilà ce qui se passe. Blérion, je suis d'accord avec tout ce que vous dites là, mais nous avons une préoccupation sur la main. C'est-à-dire que ses parents, parce que la maman, nous venons de la recevoir, le papa est là dehors, ils sont dans une logique de comment voir pour obtenir la justice. Est-ce que c'est possible que ses parents puissent obtenir justice à travers ce qui a été raconté sur ce plateau? Mais à partir de notre dénonciation, à notre niveau, moi je préfère, vous savez, moi les morts ne m'intéressent pas, c'est les vivants, parce qu'il y a d'autres enfants qui sont en train d'être apprêtés pour être tués. Ça, il faut, moi les vivants m'intéressent, elle est déjà morte. Tous les autres parents qui n'ont pas le contrôle de leurs enfants, une fois qu'un autre homme a pris le contrôle de votre enfant, obéit à un autre, votre enfant obéit à un autre qu'à vous, c'est un enfant qui est déjà mort, même si vous le voyez là, il peut mourir aujourd'hui ou demain. Dieu n'a pas été fou de faire que Atambo soit ton enfant. Si parce qu'il est dans l'église d'Alain Douk, c'est déjà Alain Douk. Donc, moi je voudrais que ces enfants comprennent que ce qui est arrivé à Mélissa vous attend. Il vous suce. Pour ses parents, nous avons dénoncé, nous allons continuer à travers notre entre-gens
de bousculer pour que justice soit faite. Mais j'aime aussi vous dire que beaucoup de nos grands, entre guillemets, se sont laissés eux-mêmes prendre dans ces églises. Vous verrez des procureurs, vous verrez, je veux dire, des hauts magistrats, des procureurs et autres. Ah oui. Vous verrez des commissaires de police qui sont aussi des hommes d'hommes faibles à la solde de ces bandits. Tout à fait. Il y a un grand prêtre à Yaoundé, un bandit. Tout, c'est-à-dire, on sait que le type, c'est un bandit, mais même des ministres en fonction, font allégeance à ce bandit. Mais ils utilisent d'ailleurs ces images pour recruter d'autres personnes, c'est-à-dire en expliquant que si le sous-préfet vient ici, ce devoir, c'est ça. En fond de course, rester à la loi. C'est ça, c'est on a un logimat où il n'y a pas n'importe qui. Tout à fait. Ils ont écouté. Très bien. Les gens, bonjour au plateau d'Espace Miné. J'espère que vous allez tous bien. Concernant la dénonciation parfaite, je connais une petite sœur qui a subi quelque chose de semblable. Un bonbon pasteur nouvellement arrivé dans l'église du quartier a pris en otage cette petite sœur. Elle passait toutes les journées chez ce pasteur. Les gens ont tiré les oreilles à la fille et à sa famille. Mais la confiance qu'ils avaient en ce pasteur a fait qu'il lui accorde le bénéfice du doute. Le pasteur a commencé à abuser de cette fille jusqu'à l'enceinter et avec la complicité de sa femme, à lui le pasteur, qui elle est infirmière, il a fait avorter et à son insu propre car la fille était très naïve, déjà même mineure. Il menaçait la fille que si elle parle, il va la tuer. Un jour, il a copieusement bastonné et violé. Elle est rentrée en sang. C'est ce jour que la famille a su exactement ce qui se passait. Ce pasteur a été sérieusement fouetté de 19h à 2h du matin, de 6h à l'arrivée de la gendarmerie. Après enquête, il en ressort que ce pasteur, enseignant des mathématiques, est réputé pour abuser des jeunes filles avec la complicité de son leader de l'église. À chaque fois qu'il fait un scandale, dans une église, on l'affecte ailleurs. Par le biais de son leader, il avait été libéré d'une façon et vagabonde actuellement à Douala où il enseigne encore. Je pleure pour ses prochaines victimes. C'est Benjamin depuis Edea qui envoie ce message. Prenons également d'autres préoccupations. Bonjour, parfait. Ici, il y a tout le plateau. Monsieur Blériot a tout dit. Autre message ce jour. Bonjour, le panel. Je suis en train de perdre mon foyer à cause d'une église de réveil à Yaoundé. Ma femme a changé. Elle a pour Dieu son pasteur. C'est une très longue histoire. S'il vous plaît, hommes de médias, faites quelque chose pour nous sensibiliser les populations. Autre message ce jour, que dit celui-ci? Bonjour parfait et à tout ton panel. Mon Dieu, quelle dénonciation! Vraiment savoir vouloir remuer le couteau dans la plaie. Les parents de cet enfant ont été tellement négligents. Ils ont eu des signaux, mais ils se sont limités à la prière. Sachant que la prière ne résout pas tout. Chers parents, apprenez à marcher pour vos enfants. N'attaquez pas. Mais lorsqu'on vous attaque, faites bien le BTS, back to sender. Du genre, quelqu'un te coupe un doigt, coupe-lui en retour ses 10 doigts et ses 10 orteils, et même pour tous ses enfants, s'il en a ou non. Autre préoccupation ce jour, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour à Info TV, j'interviens par rapport à la dénonciation pour dire qu'en tant que pasteur, que les autorités doivent faire tout pour revoir la situation dans ces regroupements appelés églises. C'est un système d'aliénation totale de l'être humain. Entendez-vous même les noms comme auto et autres. Ce n'est pas ça l'église, c'est de la sorcellerie pure et simple. Même la femme sur le plateau a plein de séquelles, une affaire de pure sorcellerie. Autre message ce jour, bonjour monsieur Aïssi, moi c'est Bertrand, juste un courage à la maman de la petite fille décédée tragiquement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la maman de la défunte était au courant que le pianiste de l'église sortait avec sa fille dans la maison de sa sœur depuis et n'avait rien dit. Pourquoi et n'avait rien dit à sa sœur pourquoi? On vous fait comprendre qu'à un moment donné, la sœur, elle a même amené aux affaires sociales. Justement, oui? Parce que c'est là où moi je comprends l'interpellation de Blériot. Certains parents laissent trop faire certaines choses. On appelle ça chez les Yébokolo.
chez moi, laisser la corde un peu trop longue. Parce que la période de ces événements jusqu'à la mort, on va se dire que tout ça se passe depuis peut-être un an, deux ans, trois ans. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Mais j'ai quand même une astuce. Hein, oui, puisqu'un peu comme a dit M. Niemek tout à l'heure, on s'adresse aux vivants. On s'adresse même peut-être aussi à la maman, puisque elle vit toujours. Elle peut également vivre encore un cas comme celui-là. Mais c'est pas son et enfant, tous ceux qui s'adressent à vous via les messages. Je vous raconte l'histoire en une minute d'une dame au quartier Sos. Une minute. Une dame au quartier Sos qui a vu ses trois filles, tout d'un coup, entreprenantes, se retrouver recrutée dans une église de réveil. Alors, elle discute avec ses trois filles à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? On est une famille chrétienne, on est à l'église catholique. Comment vous vous retrouvez dans une église de réveil? Alors, ses filles ne l'écoutaient plus. Pour la première fois, elle n'en revenait pas. Comment je peux parler à mes filles? Mes filles choisissent de ne pas m'écouter. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça peut être une astuce, parce qu'au moins, ça l'a aidé. Mais d'autres peuvent également développer cette astuce-là. Elle est partie prendre les heures de culte de cette église. À chaque heure de culte, elle était là avec des vieilles casseroles et pour faire le désordre. Elle expliquait au pasteur que tant que mes filles viennent dans cette église, vous n'allez jamais dire de messe. Il n'y aura pas de culte. Au finish, c'est le pasteur qui a chassé les trois filles. Il a dit, pardon, si je dois arrêter trois filles et envelopper deux ans, voilà, elle a libéré les trois filles. Elle ne peut pas perdre le temps avec les âmes pour trois personnes. Bonjour, c'est triste l'histoire de la dame et de son enfant, mais soyons objectifs, il y a trop d'affirmations gratuites. Est-ce l'église qui a tué cette fille ou sa grande sœur? Tout n'est pas noir concernant l'église, ce sont juste les églises qui ont parfois des mauvais dirigeants. Il faut encore creuser et que les non-croyants ne profitent pas pour jeter leur dévolu sur l'église. Il y a des vraies églises qui ne sont pas des sectes sataniques, comme Blériot veut nous le faire comprendre, ou Alain Douk et autres. Voilà quelqu'un qui ne comprend absolument rien. Il pense. Oh, alors qu'il comprend même. Non, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Ah ouais, mais bon, il a gâté son business. C'est quelqu'un qui comprend. Bonjour, parfait à tout le panel. Vraiment beaucoup de courage à la dame. Elle a encore les séquelles de cette église sur elle. Vraiment, il faut que les autorités interviennent pour fermer ces églises. Elle a été trop laxiste. Elle ne devait plus laisser sa sœur arriver chez elle. Alors, je pense que à notre niveau, notre objectif était de faire savoir cette affaire sur la place publique, mais également que les autorités compétentes se saisissent de cette affaire. On vous fait comprendre que la gendarmerie de Soie a d'abord interpellé le pianiste de cette église, et qui au moment du décès de la jeune dame, qui n'a même pas fait avait le téléphone de la jeune dame en main, avait son portefeuille, avait tout de la fille. Parce que c'était même déjà son copain. Et le gars a été libéré quelques heures après la brigade. Et il se pavane. Entre temps, on a porté l'affaire, je pense, au commissariat de Mokolo. Quelque chose de ce genre. Ouais. Là-bas également, l'enquête piétine. Les deux parents ne savent pas à quel sens se vouer. Maintenant, le pasteur de l'église nargue même les deux parents. Et ils m'ont fait comprendre à Nof qu'ils reçoivent même des coups de fil, des menaces. C'est des étonnements. Voilà. Donc, on va tout leur dire à la télé. Je pense que les autorités doivent donc se saisir de cette affaire. Beaucoup de courage encore à la dama qui est encore dans ce studio. Perdre une jeune fille à l'âge de 19 ans qui était brillante et qui était alestique. Le cœur saint. A tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal Plus offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Congossa dans la rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga, saison 2. Rejoignez le Canal Plus Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5000 francs dès la formule Access. Avec Canal Plus, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporters de la colombe sportive.
sportif du Jay Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as? À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettant à l'oiseau du sud de voler plus haut. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstressez, vous détendre, passez du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Desruisselanges. Desruisselanges, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable. Une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Desruisselanges, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Desruisselanges, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Desruisselanges, pour votre plaisir. On fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program. With visa and plane tickets, with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and web, management and commerce, banking and finance, health, economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorate. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau, comme nous vous l'avons dit en ouverture, ce jeudi, nous plantons le décor pour parler de la diaspora. Et ce sera comme ça tous les jeudis, ce seront les jeudis diaspora. Nous commençons par Rodrigue Adalbert Efina. Rodrigue, nous en avons parlé à plusieurs reprises sur ce plateau, évoqué les problèmes ayant trait à la diaspora camerounaise et nous nous sommes résolus à mettre
mettre sur pied un programme toutes les semaines pour évoquer le cas de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Quelles sont les attentes des Camerounais de la diaspora? Je vous passe la parole. Merci, merci Parfait. Ici pour la question, je voudrais une fois de plus saluer ces dynamiques enfants du Cameroun. Je voudrais saluer ces énergies de notre pays qui se sont déportées. Je voudrais m'appuyer sur le discours présidentiel. Monsieur Paul Biya en personne, c'est lui qui dit à la jeunesse camerounaise que n'allez pas chez ces gens croiser les bras. Lorsque vous allez chez eux, faites l'effort de ramener au pays tout ce que vous auriez copié là-bas. Mais sauf que M. Paul Biya doit savoir que, et pour répondre à votre question, que cette diaspora est dérangée. Dérangée par l'attitude de ses collaborateurs, de ses hommes. Quelles sont ses attentes? La diaspora attend tout simplement de... L'administration est complète. Les démembrements sont là. Les acteurs qui peuvent chacun à son niveau jouer un rôle essentiel pour faire aboutir un projet au plan administratif, tous sont là réunis, mais vous trouvez l'intéressé en train de tourner. Et ce qui est mauvais, c'est que l'on ne vous dit pas clairement que comme vous voyez là, il vous faut telle ou telle chose. Non. Le problème donc de notre pays, c'est celui-là. Parce que quelqu'un n'est pas satisfait au plan individuel, personnel. Eh bien, vous faites tourner. Il vous fait tourner. Il vous fait tourner. J'ai dit, comme on a lancé cette émission, et je salue votre initiative, comme l'a fait Alain Douk, vous allez entendre des témoignages. Très bien. Vous verrez ici, même à la maison de la télévision, comment ces Camerounais viendront vous voir. Donc, leurs attentes, déjà au plan administratif, il y a blocage. Monsieur, il faut débloquer. Il faut cesser de mettre des barrières. Monsieur le Président, lui-même, il avait dit, on gagnerait à faciliter, à alléger les procédures administratives pour qu'un certain nombre de choses puissent avancer facilement dans notre pays. Pierre Blériot-Niamek, vous en avez parlé de temps en temps sur ce plateau. Au moment où nous parlons des attentes des Camerounais vivant à l'étranger, il y a ce fameux problème au Cameroun que l'on appelle la double nationalité. À chaque moment où vous avez causé avec certains Camerounais de la diaspora, ils sont nombreux qui vous posent ce problème. Que faisons-nous? Non, parfait. Moi, j'aime qu'on soit logique. Il y a deux diasporas camerounaises. Ouais. Pas comme les gens, les autres les définissent, la bonne et la mauvaise. Il y a la diaspora camerounaise qui est reconnue comme des Camerounais, ceux qui n'ont pas la nationalité. Et la diaspora qui a pris une double, une autre nationalité que le Cameroun est en train de jeter. C'est un problème. Elle est la plus puissante souvent. Parce que pour que les conditions vous soient facilitées là-bas, vous êtes très souvent obligé de prendre la nationalité. Le Cameroun a mal en son propre être. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Le président avait dit que Monsieur Paul Biya, chef d'État, levez ce verrou inutile et devenez désuet de double nationalité. Levez ça avant tout débat au fond. Vous n'allez pas dire à des gens, si vous voulez acquérir un terrain au Cameroun maintenant et que vous avez la double nationalité, vous savez les tractations qu'il vous faut faire. Vous n'êtes pas Camerounais. Et c'est pour cela qu'on les escroque partout. Vous n'êtes pas Camerounais. Donc faites d'abord que ces enfants-là soient des Camerounais. Ils n'ont pas commis de crime en allant prendre... Vos collaborateurs, beaucoup, si vous fouillez seulement dans leur mallette du jour, hein, vous verrez... Dites à vos collaborateurs, venez avec vous. Voilà, qui sont français, américains, russes et tout. Vous verrez. Pourquoi se tromper soi-même? Levons ce verrou-là. Le président Ayidjo avait utilisé ça dans une visée politique qui est désuète. Libérons les énergies de la diaspora. Ce sera la base des autres débats que nous aurons. Sans ça, moi, ça ne sert à rien de parler tant que vous dites qu'ils ne sont pas des Camerounais. Je ne parle pas à des gens que je ne connais pas. Le ministre Laurent Esso avait demandé aux autres ministres en Belgique, vous répondez aux gens que vous ne connaissez pas.
Parle pas aux gens qui ne sont pas camerounais. Merci, Pierre Blériot. Vous nous faites vraiment rire un peu, malgré. Non, la dénonciation est passée. Oui. Nous, c'est comme ça, espace miné. Alors, Lazare Zabo, les attentes des Camerounais de la diaspora. Je suis en train de faire comprendre que cette émission, nous sommes là à l'édition zéro. Nous plantons le décor. Selon vous, quelles attentes pour ces frères et sœurs qui sont allés de l'autre côté du pays? En tout cas, Bleru a parlé de diaspora. Peut-être moi, je parlerai de plusieurs diasporas. Oui. Vous savez, lorsque les Camerounais vont à l'étranger, au-delà des problèmes de nationalité, il y a ceux qui trouvent que le Cameroun, c'est un enfer, c'est un pays pourri et qu'il est question de partir. Ils n'attendaient plus rien du Cameroun. Vraiment, ils sont partis. Et le pays d'accueil devient pratiquement le leur. Ils font tout pour s'intégrer là-bas. Et ils vont vivre justement leur vie. Bon, il y a justement ceux qui sont de l'autre côté, mais qui sont attachés à leur terre, qui sont attachés à leur famille laissée aussi au pays, qui sont même attachés au 237, au vert ou jaune. Et justement, étant là-bas, si on prend le cas de l'Occident, étant là-bas, ils pensent faire un certain nombre d'investissements. Vous voyez bien, il y a le confrère qui a évoqué ces problèmes administratifs qui sont déjà graves pour nous-mêmes, qui sommes ici sur place, lorsque nous nous lançons dans un certain nombre d'investissements. Et vous comprenez un peu le regard maintenant qu'on peut jeter sur ceux qui sont de l'autre côté, d'autant plus qu'on a toujours pensé qu'ils vivaient dans des espèces d'Eldorado où on ramasse de l'argent. Donc quand ils viennent ici, ils sont doublement arnaqués que les Camerounais qui ils vivent... Ils sont pratiquement taxés. Voilà, que ceux on qui les vivent... taxe. Que ceux qui vivent sur place au pays. Je connais une dame qui a tout abandonné ici à Douala. C'est un exemple parmi tant d'autres. Elle était arrivée avec un conteneur, avec du matériel médical. Et pendant qu'elle avait tout dédouané, elle est arrivée ici à Yaoundé, elle attendait le conteneur. Et le jour où le conteneur devait... là, je viens de Yaoundé, qu'on lui dit non, le conteneur est encore bloqué là-bas au port. On aurait découvert un paquet de biscuits, n'est-ce pas, dans ce conteneur. Alors, quand elle est remontée sur Douala pour savoir ce qui se passe, oui, on lui dit que, mais non, ce conteneur n'a pas dit qu'il transportait des aliments. Pour un paquet de biscuits qu'elle dit d'ailleurs que parce que le conteneur étant ouvert, n'est-ce pas, dans la cour de chez elle, c'est sûrement l'enfant qui avait balancé ce paquet à l'intérieur. Et pour cela, on lui a dit quand même qu'il fallait donner 200 000 francs. Alors elle m'a appelé au téléphone pour me le dire. Cette jeune Camerounaise originaire de Nkouaban ici, elle pleurait au téléphone, elle me disait ce n'est pas possible pour son pays. Un matériel médical, parce qu'elle peut l'avoir, parce qu'elle connaît les problèmes qu'il y a ici, et que si elle peut faciliter les choses et donner ça aux Camerounais, ce n'est pas pour son hôpital à elle, offrir ça à n'importe quel hôpital pour que ça serve aux Camerounais, et qu'elle soit traitée de cette façon, elle ne recommencera pas. Voilà. Donc, voilà un peu ce que vivent certains Camerounais de la diaspora quand ils veulent venir investir ici. Donc je crois que la première des choses pour des Camerounais de la diaspora qui pensent investir au Cameroun, on verra bien que pour la plupart, ils se sont butés, n'est-ce pas, à notre administration. Notamment quand c'est des dames, il faut qu'on couche avec elles. Oh là là, elle n'est plus dans cette... Elle ne comprend pas qu'on lui dise que... Et parfois elle est même encouragée, n'est-ce pas, par son environnement, pour lui dire oui, pour que ça passe. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est comme ça que ça se passe ici. Il faut un pourcentage. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a ce décalage que j'évoquais plus haut des Camerounais également de la diaspora. C'est que quand ils sont partis, ils commencent à réagir tout de suite comme si ils ne se rappellent plus de la mentalité de Parfait ici, il ne se rappelle plus de comment Lazare Zabo fonctionne, ni de Blériot, ainsi de suite. Donc, à la fois aussi, ils se font arnaquer. Parfois même par les membres de la famille, il y a ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Ils sont dans des pays
développés, ils savent très bien que quand vous voulez vous lancer dans l'immobilier, il faut rencontrer des véritables experts. Mais souvent, ils continuent un peu dans le bricole, c'est qu'étant là-bas, ils pensent qu'ils peuvent envoyer l'argent à n'importe qui, envoyer des grosses sommes d'argent. Parfois, quelqu'un qui n'a jamais touché le million, on pense envoyer à celui-là des millions parce qu'on veut construire une maison. Alors, sachant que nous-mêmes qui sommes ici, si vous vous lancez dans la construction d'un chantier, la manière dont vous devez tenir en laisse les différents techniciens, n'est-ce pas, qui doivent opérer des travaux chez vous, mais parfois, on les voit souvent perdre la tête, courir le risque d'envoyer des grosses sommes d'argent, n'est-ce pas, à un cousin, à un ami, ensuite, et souvent, ils se trouvent arnaqués. Merci Lazare. J'ai également une histoire d'un Camerounais de la diaspora. Il vit actuellement aux États-Unis, un certain Roger. Je ne vais pas donner tout son nom. Et toujours pour cette affaire de médicaments, hein, il a également fait venir tout un conteneur de médicaments. Lorsque le conteneur de médicaments est arrivé, il insiste, ce n'était pas pour vendre. Il voulait faire des dons dans des hôpitaux parce qu'il s'est dit également que non, vraiment, ce n'est pas facile ici chez nous de pouvoir se soigner. Mais pour que ce conteneur parte du port de Douala pour la ville, c'était de la mer à boire. Il a fait venir des ambulances. Il a fait venir des ambulances pour faire des dons, mais il a dépensé un argent incroyable. Il m'a appelé, il m'a dit, mais perfecto, je ne comprends pas. Comment nous devons même faire pour aider notre pays? Vous apportez, Alain Douk, du matériel pour aider vos frères du Cameroun. On commence à vous taxer. On commence à vous demander, nous avons quoi sur ça? Voilà nos expressions. Hein. Mmh. Je gagne quoi sur ça? Ouais. Où est ma part? Voilà. La politique voilà. Du mapartisme. Justement, c'est ce genre d'expérience qui fait que ces compétences nationales de l'étranger, puisqu'ils sont confrontés à d'autres types de cultures, un autre univers, d'autres réalités, ils font d'autres types d'expériences avec des standards plus élevés que ceux de leur pays d'origine, ça ne passe pas à un certain moment chez eux. Et lorsqu'ils veulent maintenant apporter leur contribution à la construction de l'édifice national, ils sont perçus en réalité comme une menace par ceux qui sont là et qui tiennent les rênes de l'ordre gouvernant et qui veulent, ma foi, dans une certaine mesure, au regard de la corruption que l'on a évoquée sur le plateau, que les choses restent telles quelles. Donc, il y a donc cette opposition, finalement consommée, tacite ou assumée, entre l'ordre politique national et ce pouvoir qui est étranger, composé donc de nationaux qui se sont expatriés et qui, ma foi, veulent donner leur contribution. Mmh. Et ce, à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau politique. Ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel. Justement, ceux qui sont là au pays savent qu'ils ont du potentiel et les pressentent comme une menace. Alors, regardez. D'où la double nationalité. Vous avez un national qui veut revenir au pays, je ne sais pas moi, pour un séjour ou je ne sais pas moi quoi. Vous êtes un national, mais on vous dit déjà que vous devez avoir un visa pour entrer chez vous. C'est sur le plan de la symbolique, ben, un indicateur fort de ce que, ben, du seul fait... On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Du seul fait que vous êtes expatrié, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu énormément. Et c'est ça le problème. Regardez par exemple, au niveau des élections, et c'est ça, c'est les griefs, par exemple, que les expatriés camerounais ont contre notre système, contre l'ordre gouvernant. Pendant les élections, par exemple, la dernière échéance présidentielle de 2018, on a eu environ 19 000 bureaux de vote à travers le monde à l'étranger. Pas 19, je vais dire 19 000 votants pour une population estimée depuis quelque chose comme 2010 à 4 millions, hein, si on se fie, hein, aux données du Minrex. Hein, on pense que c'est beaucoup plus. Parce qu'ils disent qu'on a envie, depuis 2010, en 2010, ils étaient 4 millions d'expatriés. Oui, à l'extérieur. Avec 4 millions, vous voyez que c'est 19 000 qui participent à l'échéance électorale en tant que votants. C'est le ratio. Vous voyez qu'il y a un problème. Et on vous dit que justement, c'est ceux qui seront détenteurs d'une carte consulaire qui peuvent participer au vote. Donc déjà, si on est Camerounais... Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on fait déjà le distinguo là-dedans.
le corpus des Camerounais qui sont là-bas pour dire que ben il y a tel qui peut, tel qui ne peut pas, etc. Donc il y a déjà des frustrations qui sont créées du fait, du seul fait de ces exclusions là. Mm-hmm. Comme si si j'ai fui le pays et que je suis pas encore totalement en situation régulière là-bas, de l'autre côté, je ne suis pas Camerounais. C'est les verrous en question qu'il faut lever. Il faut véritablement que l'ordre gouvernant ouvre son esprit, accepte de faire l'expérience de nombre de pays. Hein? La Chine, pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Que des pays tels que la Chine, etc. Aujourd'hui, c'est une belle dynamique parce qu'il y a une belle contribution de la diaspora. Ah oui. J'en dis, allez prendre. Allez voler la technologie. Allez vous éduquer, allez vous instruire, allez prendre, acquérir des compétences. Procéder au transfert de compétences intellectuelles, technologiques en direction du pays. C'est le cas de même de la Corée. C'est le cas du Maroc, ici en Afrique, s'il faut citer. Le Nigeria, le Sénégal. Pourquoi on ne triche pas de tels exemples dans la positivité pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique? Les Camerounais, on a un sérieux problème et on est dans l'exacerbation de la frustration. Et nos gars de la diaspora, ils sont vraiment frustrés. Et ils ont matière à l'être. Nos gardes de la diaspora sont vraiment frustrés. Bonjour Monsieur Parfait ici, je n'arrive pas à voir le direct de vos émissions sur YouTube. S'il vous plaît, y a-t-il un lien? Merci et bonne journée. Nous avons de sérieux problèmes de connexion ici au pays. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça en réalité le problème. Alors, depuis un certain temps même, les messages ne tombent plus. Viens pour télécharger un petit document PDF de rien du tout, c'est un problème. J'ai passé Le signe pour reconnaître une bonne assemblée, c'est de voir l'amélioration de la qualité de vie des fidèles sur 3 à 5 ans, sur tous les plans. Jésus est venu pour sauver et guérir, et non pour détruire. Alors, trop de problèmes de connexion ce matin. Nous avons simplement des messages où on parle de la dénonciation, parce qu'à un moment donné, les messages ne tombaient plus. Il y a pratiquement 15 à 20 minutes que les messages ne tombent plus à cause de ce problème de connexion. Il nous reste pratiquement 3 minutes à passer ensemble. Chacun aura 2 à 3 secondes. On commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, la diaspora a des attentes. Je présume que vous avez aussi des attentes de la diaspora. Oui. Qu'attendez-vous de la diaspora? Non, mais ce que j'attends de la diaspora, c'est justement la libération de son plein potentiel au Cameroun. Mais c'est au Cameroun qu'il faut déjà d'abord résoudre les problèmes de tous ces blocus c'est que nous avons dénoncés. Lazare Zambo, nous avons parlé sur le plan politique. Alain Douk vient de s'y étendre là. Redisons encore que la dernière campagne au niveau des inscriptions électorales qui s'est achevée il y a près de 2 semaines a connu quand même un certain nombre de couacs hein, à l'international. Beaucoup ont d'ailleurs estimé que tout était fait. Il y avait des stratagèmes qui ont été mis sur pied pour que ces Camerounais de la diaspora ne puissent pas véritablement s'inscrire en grand nombre. Si tel est le cas, est-ce que ce n'est pas un anti-jeu? Oh, je ne pense pas que c'est un anti-jeu, moi. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est la politique. Il ne faut pas se tromper de société. Je crois aussi que ceux qui font de la politique, quand ils sont en Europe, parfois leur comportement, leurs agissements, leur façon de voir les choses, de penser, je pense aussi qu'ils se trompent la plupart du temps de société. Et ça fait que ceux qui sont en face trouvent justement les moyens, n'est-ce pas, pour les contrer. Et c'est un peu ça. Vous savez que quand on parle des libertés, quand on parle des démocraties, on n'a pas toujours la même vision dans nos sociétés. Et je crois que quand vous voulez vraiment faire de la politique, il faut tenir compte, hein, n'est-ce pas, de cela. Lorsque vous voyez, par exemple, ce qui se passe avec la diaspora européenne, avec ce qu'on a connu avec la race, où le président de la République peut sortir, et vous avez des Camerounais qui viennent scander son nom, qui l'appellent voleur, qui crient dictateur, qui... C'est pas pareil dans nos sociétés, c'est pas possible. Donc, si vous voulez faire de la politique, il faut la faire autrement. Si le temps plus que vous voulez que soit vos dénonciations, soit ce que vous réclamez, n'est-ce pas, soit appliqué chez nous. Pierre Blériot, Niemek, quelles sont vos attentes au niveau de ce nouveau concept que nous venons de mettre sur pied concernant justement la diaspora?
il va falloir éviter le communautarisme radical qui a tendance à s'installer même de ce côté-là. Il faudrait que nous parlions d'un même langage. Oui. Moi, je ne suis pas dans ces affaires-là. Diaspora Bassa, diaspora Ikang, diaspora Sawa, diaspora Bamidekin. Ah, oui. Vraiment, si nous sortons de ces pays, regardez comment les Juifs ont fait. Nous arrivons chez les autres et nous apportons les villages là-bas. Non, c'est comment on va. Il faut enlever le village. Non, il faut enlever les villages. Toujours est-il quand même nous sortons de quelque part. Il faut enlever les villages. Ça, c'est le Cameroun qui est en train de vous détruire là-bas. Il faut enlever les villages. Si là-bas, on peut avoir une diaspora, Bassa. Non. Donc, attendez un peu, Blériot. Est-ce que ce sera empêché que les Bassa qui se sont retrouvés de l'autre côté puissent avoir peut-être une réunion pour parler la chose du village ici? Non, le grand vice, c'est l'esprit de division. Ça, c'est le grand vice. Moi, je ne veux pas parler d'une diaspora particulière, même Bassa et autres. Je dis, vous êtes sortis. Ce sont les Camerounais d'ici, de toutes les tribus qui vous maltraitaient quand vous fuyez. Vous arrivez là-bas, vous regroupez en Bassa, en Mukang, en ceci. Ils parlent de la chose du village. Il n'y a rien dans vos villages. La diaspora, c'est bon manga. La diaspora, il y a rien la diaspora, bon manga. Donc, ça, c'est des la diaspora et Kang. Ça, c'est la seule. La diaspora bannée. Je vous invite à sortir de cette sauvagerie. Ça, c'est la villageoisie. Non. Émancipez vos mentalités. Il n'y a pas la diaspora. C'est compris. Voilà. Après que l'administration arrange les choses pour tout le monde. De toutes les façons, c'était l'émission donc zéro. Nous lançons donc un appel à toute la diaspora qui nous a suivis ce matin. Nous avons besoin des propositions, nous avons besoin des suggestions, nous aurons besoin même des personnes ressources pour intervenir tous les jeudis dans le cadre de ce programme, surtout ces Camerounais vivant à l'étranger. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes en séjour au pays, rapprochez-vous de notre programme pour que nous puissions ensemble bâtir ce programme qui, selon certains, vaut tout son pesant d'or. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, ils ne sont pas nos ennemis. Parce que, je vais le dire brutalement, j'ai l'impression que certains Camerounais ont de la haine pour ceux qui sont allés à l'étranger. Effectivement, ils ont de la haine. Je ne sais pas pourquoi tu dois haïr ton frère, parce que lui, il est parti en France. Et tout fait pour qu'il ne réussisse jamais. Donc, merci à Rodrigue, merci à Alino, merci à Pierre Blériot, merci à Lazare. Beaucoup de courage à Madame Antoinette Aïssi, qui est venue témoigner ce matin. Nous sommes sûrs et certains que les autorités administratives et judiciaires vont se saisir de cette dénonciation. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ?